إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ايها الاخوة الكرام يقول احد المشايخ شيخ من الشام il dit il a un de ses élèves qui prenait des cours chez lui est allé s'installer en Allemagne. Voilà, l'étudiant, il écrit à son cheikh. Et il lui raconte une histoire. Il dit à cheikh, je roulais en voiture. Je roulais en voiture et quelques temps après, j'ai reçu une amende à la maison. Et l'amende, elle me dit que tu es passé au feu rouge. Tu es passé au feu rouge, est-ce que tu reconnais telle date, telle heure, à tel moment exact, il lui donne l'heure, à la seconde près, tu es passé au feu rouge. Il réécrit, lui, il écrit à l'autorité, en leur disant, je ne suis jamais passé par cette route. Il dit, une semaine après, je reçois un message à la maison, je reçois un courrier à la maison. Il lui donne, sur le courrier, il y a trois photos. Ta voiture, à 10h20, 21 secondes, juste avant le feu. À 10h20, 22 secondes, le feu est rouge et toi, tu es sous le feu. À 10h20, 23 secondes, tu as passé le feu rouge. Tu reconnais ? Il a dit, j'ai dû reconnaître et payer l'amende de 150 euros. Le cheikh, il lui dit, il est écrit, il dit, la prochaine fois, tu mens pas. Première chose. Prochaine fois, tu mens pas. Tu as fait une infraction, tu vas passer. Mais surtout, le cheikh, il lui dit, t'imagines, ça, c'est la science des hommes. Ça, c'est la science des hommes qui te capte quand tu fais une infraction. Allah subhanahu wa ta'ala il dit يوم القيامة il nous dit هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Ceci est notre livre qui va parler pour vous, de vous, en toute vérité. Certes, nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis des anges qui enregistrent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Chaque homme, on lui a assigné son livre. On dit que la personne, elle meurt, elle décède. Les anges lui collent son livre sur le cou. Et le jour du jugement, soit il va l'attraper avec la main gauche, soit il va l'attraper avec la main droite. Et le jour du jugement, il va ouvrir son livre. قالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. C'est cette conscience que nous devons avoir, ayouha l'ikhwa, أن الله سبحانه وتعالى nous a mis des anges qui écrivent tout ce que nous faisons. والله ayouha l'ikhwa, si nous avons la certitude, cette certitude qui nous manque justement, que le jour du jugement, Allah il va lever le voile sur tout ce que nous allons faire. Allah il va nous ouvrir le livre de notre vie. Et nous allons voir défiler tout ce que nous avons fait, ce que nous avons caché et ce que nous avons dévoilé. قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si vous cachez ce que vous avez dans votre cœur ou que vous le dévoiliez, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et il sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et Dieu est omnipotent. Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout faire. Ça, on appelle ça, ayouha l'ikhwa, le concept coranique. Pourquoi je parle du concept coranique? Ça veut dire quoi, le concept coranique? Allah subhanahu wa ta'ala nazzala ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nazzala alayna al-Qur'an. Allah, il nous a descendu le Coran. Wa al-Qur'an shifa, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le Coran, c'est une guérison. Le Coran, tu te soignes avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se soigner avec le Coran? Et j'ai décidé de faire ce rappel, ayouha l'ikhwa, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes où les gens, ils veulent quoi? Les gens, ils veulent faire ruqya.
Fais-moi ruqya, cher. Je dis, moi, je ne fais pas ruqya. Mais si tu veux que je t'apprenne à faire la ruqya, viens, je t'apprends. Ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha wa ma adrakam al-Fatiha. Wallah, ayyuha al-ikhwa, si on peut consacrer des jumu'at pour le Fatiha, pour comprendre la puissance de le Fatiha, pour comprendre ce qu'il y a dans le Fatiha, les règles qu'il y a dans le Fatiha, les enseignements qu'il y a dans le Fatiha, et que nous ne comprenons pas, que nous récitons pendant 17 fois minimum par jour, que nous ne comprenons pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il veut de nous, c'est qu'on comprenne le concept coranique. Et comprendre le concept coranique, ayyuha al-ikhwa, c'est ça qui va t'apaiser. Et quand on ne comprend pas le concept coranique, eh ben on peut lire sur toi le Fatiha 1500 fois, ça ne t'apaisera pas. Parce qu'on n'est pas lié à Allah, subhanahu wa ta'ala, le câble est coupé. Vous voyez, si le câble est coupé, subhanallah. Ayyuha al-ikhwa, ta'allamna min shuyukhina. On a appris de nos maîtres qu'il faut avoir un wird tous les jours. Un wird. C'est ce que ça veut dire un wird? Il faut que tu aies un lien avec le Coran régulier, tous les jours. Tous les jours, tu lis une partie du Coran. Tu lis ne serait-ce qu'une page. Mais un valeureux, il lit au moins 2 hizb par jour pour finir le Coran au bout du mois. Au moins 2 hizb par jour. Un hizb le matin, un hizb le soir. Si tu peux, pourquoi pas. Si tu ne peux pas, une page, une page. Une page, c'est 15 lignes, ayyuha al-ikhwa. Celui qui sait lire, ça lui prend, allez, une page, 2 minutes au maximum. Une page de Coran, ayyuha al-ikhwa. Si on lit une page du Coran, l'ouird, c'est ce que ça veut dire l'ouird. Falamma waradama amadian. L'ouird, c'est là où on s'abreuve. C'est comme si lire le Coran, c'est abreuver son cœur. J'expliquais à des jeunes, lève-toi pour Salat al-Fajr. Il me dit, ouais, mais tous les jours, c'est. Je dis, mais tous les jours, tu manges. Il me dit, ça n'a rien à voir. Je dis, si, ça a à voir. Manger, c'est nourrir son corps. Salat al-Fajr, Qiraat al-Quran, c'est nourrir son esprit. Quand on comprend ça, ayyuha al-ikhwa, tu ne vas pas voir l'imam pour te faire ruqya. Parce qu'en islam, on n'a pas besoin d'intermédiaire. En islam, s'il y a quelque chose qui taraude ton esprit, ahsin al-wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Ahsin al-wudu, wa salli lillah rak'atayn, wad'u Allah, bi qalbin muftar. Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond. Aisha radiallahu anha nous dit, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha hazabahu amrun. Le prophète, quand il y a quelque chose qui l'occupait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réfugiait dans la prière. Subhanallah. Le concept coranique, ayyuha al-ikhwa. Regardez, on va prendre 2, 3 règles. Si au maximum, on prendra la 4e règle. Sunnatullah. Sunnatullah fil ladhina khalaw min qabl. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le concept, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, y a sunan fil ard. Il y a des règles sur terre. Si vous les respectez, vous serez dans le droit chemin et rien ne peut vous arriver. Min bayni sunan, parmi les règles qu'Allah il a mis sur terre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera l'état d'un peuple que lorsque eux-mêmes ils changent. Dans les deux sens, ayyuha al-ikhwa. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le risque sur toi, tu es en sécurité chez toi, tes enfants sont bien éduqués, masha'Allah, la tughayyir. Reste. Comme tu fais, tu pratiques ta prière, tu fais ton wird, tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala, ne change pas. Parce que si toi tu changes, Allah il change. Si par contre, tu vois que ta vie elle est serrée, que rien ne réussit, que ça ne se passe pas comme tu veux, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Revois ta position vis-à-vis d'Allah. Regardez le Coran, comment on les éduque sur autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala fi ghazwat Uhud. Quand les compagnons ont désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran va descendre. Il descend sur le compagnon et sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit, vous vous dites, quand il y a quelque chose qui vous a touché, anna lana hadha, d'où nous vient ça? Qul huwa min 'indi anfusikum, qul bima kasabat aydikum. De quoi ça t'est arrivé? Comment on est arrivé là? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce que vous avez fait. C'est pas ce que vous avez fait. Revois ta position à toi vis-à-vis d'Allah. Revois ta façon d'être. Revois comment tu conçois la chose. Revois ta vie. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants? Des mamans, ils ramènent leurs enfants qui ont 20 ans. Parle-lui. Dis-lui que la salat, c'est important. Mais ce n'est pas à 20 ans qu'on apprend à l'enfant que la salat, c'est important. La salat, c'est important. Rasulullah dit, amuru awladakum bis salat ala sab'a. Ordonnez à vos enfants à 7 ans d'apprendre la prière. Et pendant 7 ans jusqu'à sa puberté,
Qui est dans la patience et l'endurance? C'est qui? C'est l'enfant ou toi? C'est toi. C'est une éducation pour le papa, c'est une éducation pour la maman. Pendant ce temps-là, je n'ai pas fait mon boulot. Et après, à 20 ans, je vais l'amener chez l'imam, il va lui lire une ruqya. C'est quoi cette ruqya? C'est un projet miracle? La ruqya, c'est le concept qu'on doit comprendre dans nos têtes, ayyuhal ikhwa. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Amr thani, deuxième sunna, deuxième règle. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab. Man ya'mal su'an, yudzabih. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est pas selon vos souhaits ou vos désirs, ou bien les désirs des gens du livre. Celui qui fait un mal, il sera rétribué pour ce mal. Quelle que soit la personne, chaque mal, on le paye. Ne serait-ce que par cette, cet non-apaisement. Il y a des gens qui vous disent, je ne suis pas apaisé, je suis angoissé, je suis mal de l'intérieur. Frère, arrête le péché. Et ne me dis pas ce que tu fais, ne me dis rien, c'est entre toi et Allah. Arrête de désobéir à Allah. Inna Allah ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah, il sait tout. Il sait ce que tu caches. Tu te caches des gens, mais Allah, il voit. Tu te caches des gens, mais Allah, il est avec toi, là où tu es. Laysa bi'amaniyikum wa la amaniya al-kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Troisième règle, ayyuha al-ikhwa. Troisième règle. Man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, il lui donne une issue favorable. Crains juste Allah, il n'ait pas peur. Wallah, il dit mal Qaroun. Wallah, ils se liquent tous contre toi. Tous contre toi. La in ijtama'atil insu wal jinn. منذ أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك فلن يضروك بشيء. Si le djinn et l'ins, ils se réunissent tous et qu'ils veulent te faire du mal et qu'Allah سبحانه وتعالى n'a pas écrit ce mal qu'ils t'atteignent, Wallah, ils t'atteindront pas. Certitude, ayyuha al-ikhwa. Certitude que nous allons rencontrer Allah. Certitude que rien ne nous touche si Allah سبحانه وتعالى ne le veut pas. Certitude que si on lève la main à Allah سبحانه وتعالى avec un cœur humble et serein, Allah y répond. ومن يتق الله يجعل له مخرجا قانون اخر ايها الاخوه رجلي لرجلك الله سبحانه وتعالى سوره المائده اي 14 الله سبحانه وتعالى يدي فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. Quand ils ont oublié une part de ce que Allah سبحانه وتعالى ou le pacte qu'ils ont signé avec Allah, Allah qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis la haine et l'inimitié entre eux jusqu'au jour du jugement dernier. Et regardez, vous travaillez dans une société, les gens ne peuvent pas se voir. Ils font une réunion tous ensemble, mais personne ne peut voir l'autre. Dès qu'il tourne le dos, on casse du sucre sur son dos. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَى. S'il y a un problème entre deux frères, c'est que l'un d'entre eux a fait un péché. C'est une règle. S'il y a un problème dans la famille entre deux frères, l'un d'entre eux a fait un péché. Qur'an, ayyuhal ikhwa. C'est ça le concept coranique. Je finis avec ça, ayyuhal ikhwa. Nous étions dans une assise. Et un frère, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous disputez pas, parce que vous allez faiblir et vous allez partir. Et vous savez où est-ce qu'elle est cette ayah? Vous savez où est-ce qu'elle est cette ayah? Elle est fait sourate Al-Anfal. Dans sourate Al-Anfal, le butin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous disputez pas. Quelle est la première chose de dispute entre les gens? L'argent, le butin. C'est ça le concept coranique, ayyuhal ikhwa. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Astaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je vous raconte une histoire, ayyuhal ikhwa, mais cette histoire, elle est connue et très connue. C'est un frère qui raconte, il dit, c'est l'imam, il était imam à Londres. Il dit, un jour, je prends le bus. Je monte dans le bus, je lui donne un billet. Disons, on parle en euros, disons 5 euros, il a donné 5 livres. Et le conducteur de bus, quand il a vu, lui a rendu la monnaie. Il lui a donné 20 centimes de plus. Le gars, il va s'asseoir, il regarde, il a 20 centimes de plus. Il dit, mais 20 centimes pour la compagnie de transport, c'est quoi? C'est rien du tout avec les milliards qu'ils font. Et ça coïncidait, il dit, quand il y avait la coalition des États-Unis et l'Angleterre pour aller attaquer l'Irak. Et j'ai dit, en plus, eux, ils attaquent nos peuples en Irak et tout. Il est assis. Mais pendant qu'il était assis, ça travaillait dans son cerveau, ça travaillait dans son esprit. Il n'était pas tranquille. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ce qu'on appelle le nafs al-lawwama. Hein, l'âme, il y a l'âme incitatrice au mal, mais il y a aussi l'âme qui se lamente.
نفس اللوامة. الله سبحانه وتعالى يذكر نفس اللوامة في سورة القيامة. Dans la sourate Al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette âme qui se lamente. Pourquoi je n'ai pas fait mieux? Pourquoi je n'ai pas fait assez? Et donc, il est en conflit avec lui-même. Avant de descendre, il va voir le chauffeur. Il lui dit, excusez-moi, mais quand vous m'avez rendu la monnaie tout à l'heure, vous m'avez donné 20 centimes de plus. Il lui rend les 20 centimes. Et le chauffeur, il sourit. Le conducteur de bus, il sourit. Il dit, vous êtes l'imam de telle mosquée? Il dit, oui. Il dit, je voulais venir chez vous et je voulais déclarer mon islam. Mais je voulais juste vous tester. Je vous ai donné 20 centimes pour voir comment vous êtes. Être en harmonie avec soi-même, ayyuhal ikhwa. Les gens, ils nous regardent. Est-ce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes quand on déclare un divorce et qu'on dit qu'on n'est pas divorcé? Est-ce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes quand on travaille au noir et qu'on ne déclare pas ce qu'on gagne et on dit qu'on ne gagne pas du tout? Est-ce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes? Mais ya'mal su'an yudza bihi. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Est-ce que nous sommes vraiment musulmans comme le veut le Coran? Pour qu'après on vienne demander au cheikh, viens nous faire une ruqya. La ruqya, c'est nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa. La ruqya, c'est nous-mêmes avec Allah. Allahumma ij'alna min at-tawwabin wa ij'alna min al-mutatahhirin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma 'atayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله